Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler de Pauline et son message. Donc, faites attention que moi, j'ai supprimé les conversations avant. Mais j'ai les conversations les plus importantes, bien sûr. Alors, elle se dit qu'elle est canadienne. Elle n'est pas du tout canadienne, elle est tout simplement un Africain, quoi, derrière lui. Donc, ça, c'est les cartes PCS, les petites recharges. Vous voyez bien? D'accord? La conversation. Et après, elle me raconte toute sa vie à deux balles. Après, bien sûr, je dis ce qui c'est. Après, elle continue. Est-ce qu'il y a bien... Ça, c'est la vidéo que vous connaissez vous-même. Pour lui faire comprendre, quoi. Et après, bon, bah. Donc. Donc voilà, revenons à cette conversation, à ce que je dis moi. Et après, ce qu'il dit. Vous voyez, c'est quoi comme symbole hein, aussi hein. Là. Après, conversation à moi et à lui. Pour lui, on est reconnus comme des escrocs. D'accord? Et c'est lui-même qui demande l'argent, c'est pas nous, hein. Voilà. Et vous avez bien entendu. Voilà la somme qu'il demande. Ok, tout simplement. Alors, donc, vous voyez, son good. Ok, tout simplement. Donc, alors, qu'il soit Facebook. En good, qui soit aussi les sites de rencontres et quoi que ce soit, faites très attention. Il y a des faux profils hein, qui veulent plutôt faire croire qu'ils cherchent l'âme sœur, et en réalité, c'est tout simplement qu'ils cherchent l'escroquerie, tout simplement. Et ça, je parle pour les personnes qui font des sites de rencontres, qui vont dans les sites de rencontres dans ce domaine-là. Par contre, la personne qui m'a écrit, bah, Pauline, quoi, qui a écrit, bah, et conneries, quoi, ça sert à rien. Parce que, en plus, c'est mon deuxième adresse. Donc ça m'a un peu surpris, parce que j'étais même pas occupé de cette adresse le plus souvent. Je suis plus souvent avec mon autre ma adresse que vous connaissez à peu près tous. Et donc, tout simplement. Mais vous savez, hein, même dans l'adresse que j'ai, hein, il y en a des escrocs de A à Z. Hein, il y en a même 4 escrocs dedans. 4 escrocs. Et les 4 escrocs bah, peuvent toujours demander ce qu'ils veulent parce que je les envoie balader. En voyant balader, bah. Je crois pas. Si vous voulez, je peux vous faire présenter. Donc, je peux vous faire présenter, hein, c'est tout simple, hein, vous verrez. Donc, vous verrez par vous-même que. Voilà.
Là, il y en a pas mal, hein. Presque tout, hein. Mais il y a, qui est dommage, c'est qu'il y a des personnes qui sont pas de, qui sont pas des escrocs, mais hein, le problème, c'est qu'il y en a pas mal qui sont rentrés là, dans cette adresse aussi, qui sont des escrocs. Tout simplement, j'en ai bloqué au moins 4-5. Tout simplement. Bloqué, je n'appelle même pas ça bloqué, c'est impossible de bloquer comme il faut. Bref, normalement ça se bloque, mais bon. Voilà. Tout simplement, c'est ce que je voulais dire sur cette vidéo. Et bah, tout à l'heure, il y aura encore une autre vidéo qui sera très très spécifique sur quelque chose que je vais raconter, qui est très important pour tout le monde, hein, surtout pour tout le monde, pour les gens qui sont intéressés d'acheter des téléphones et de faire très attention à leur téléphone. Il y a des surprises qu'on ne voit pas et qu'on se retrouve un peu embêté avec le revendeur. Donc voilà, je vous expliquerai ça à la prochaine vidéo. D'accord? Allez, à plus, merci et surtout, bonne année à tous et bonne continuation. Au revoir.